Bonjour. Merci de m'avoir sélectionné pour présenter mes travaux de thèse qui portent donc sur l'étude des cibles des bêta-lactamines chez Mycobacterium abscessus. Mycobacterium abscessus est une mycobactérie à croissance rapide qui est responsable d'infections pulmonaires chez les patients atteints de mucoviscidose. Elle représente 3 à 6% des bactéries responsables de ces infections et 50% des infections dues à des mycobactéries non tuberculeuses. Donc, le traitement de référence repose sur l'association d'un aminoside, la micassine, d'un macrolide, la clarithromycine, et d'une bêta-lactamine, la cefoxitine ou l'imipenem. Cependant, des souches résistantes à la clarithromycine sont fréquemment isolées, environ 50% des souches, ce qui remet en question l'utilisation de ce traitement de référence. Donc, actuellement, le traitement recommandé associe un aminoside, la micassine, et une bêta-lactamine, la cefoxitine ou l'imipenem, avec un taux de succès de seulement un tiers. Donc, le mode d'action des bêta-lactamines n'a pas été étudié chez Mycobacterium abscessus, ce qui constitue une entrave à l'optimisation des traitements par ces antibiotiques. Donc, notre objectif est d'identifier et de caractériser les cibles des bêta-lactamines chez Mycobacterium abscessus afin d'optimiser le traitement des infections dues à cette espèce, car pour l'instant, les bêta-lactamines utilisées, donc la cefoxitine ou l'imipenem, ont une activité modérée et ne sont administrables que par voie intraveineuse. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné des mutants résistants aux bêta-lactamines afin d'identifier des mutations dans les gènes de leur cible. Donc voici une représentation schématique de la paroi d'une mycobactérie avec la barrière lipidique qui est peu perméable et le peptidoglycane qui est un constituant essentiel de la paroi bactérienne dont la dernière étape de polymérisation s'effectue par des enzymes appelées transpeptidases qui sont des cibles potentielles des bêta-lactamines après qu'elles aient franchi la barrière lipidique. Donc, par ailleurs, le laboratoire a montré que Mycobacterium abscessus produit naturellement une enzyme qui détruit donc, les bêta-lactamines, appelée bêta-lactamase Blamab, et qu'elle est inactivée par un nouvel inhibiteur, l'avibactam. Donc, à partir des mutants que j'ai réussi à sélectionner, j'ai pu montrer que la résistance n'était pas due à une surproduction de Blamab ou à une augmentation de son activité, n'était pas dû à des modifications de perméabilité de la barrière lipidique. Et les premiers résultats du séquençage des génomes des mutants ont montré qu'il n'y avait aucune mutation dans les gènes des cibles potentielles des bêta-lactamines, mais ces mutations pourraient affecter des protéines essentielles à leur fonctionnement. Donc afin de confirmer ou non l'importance des mutations trouvées, j'ai effectué de nouvelles sélections de mutants et l'analyse du séquençage des génomes est en cours. Donc, pour conclure, ce travail a pour objectif d'optimiser le traitement des infections à Mycobacterium abscessus par les bêta-lactamines, en contribuant à identifier des bêta-lactamines qui combinent une bonne perméabilité pour traverser la barrière lipidique, une hydrolyse modérée par Blamab, ou alors une utilisation en association avec son inhibiteur, l'avibactam, une forte affinité pour les cibles de Mycobacterium abscessus, et des propriétés pharmacocinétiques appropriées, incluant la possibilité d'une administration par voie orale, afin d'améliorer la qualité de vie des patients. Merci de votre attention.